Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur du F1 24. La pause fut courte, car l'envie de rouler fut grande. On va se retrouver du coup sur le Grand Prix du Brésil après avoir fait un sprint. On a fini pas trop mal, en tout cas dans les points. On va faire maintenant le Grand Prix du Brésil. On va faire les qualifs. On va essayer de bien se positionner et de bien finir ce Grand Prix. Yo Floxy! Floxy, est-ce que tu as vu la photo? J'ai été acheter une. Je n'arrête pas. Je vais vous présenter les photos. J'ai pas mis la photo de la As que j'ai eue hier. La As de Nico Hülkenberg. Là, j'ai acheté un modèle. Salut Melio, au 1/18e. Pierre Gasly, Alpine. C'est la Alpine F1 Team A523. Grand Prix d'Allemagne 2023. Voilà la comment là. Ah bah tu as vu, je posterai plus de photos. En fait, je vais du plus petit au plus grand. La Nico Hülkenberg, je suis dégoûté, c'est la plus. J'avais quatre choix qui se présentaient à moi en boutique. J'avais dans la même année, j'avais la Gasly, la Ocon. J'ai hésité avec Ocon, vraiment, parce que j'aime bien Ocon. J'ai pris Gasly. Ils avaient la toute rose. La toute rose, j'aime pas du tout. Ouais, Grand Prix d'Allemagne 2023, ouais. C'est celle-là. La toute rose, j'aime pas. Et ils avaient une McLaren. Alors, j'ai pas regardé si c'était Lando Norris. Pas de cette année, l'année dernière, la McLaren. Je me dis, la McLaren ou un 18e, pourquoi pas plus tard. En tout cas, elle est bien jolie ou un 18e, vraiment. Très belle qualité. Je vous mettrai des photos. C'est du métal, je crois. Donc, voilà. Allez, on va lancer la carrière. Tu vérifies un truc? Je lance la carrière quand même. Il va falloir que je mette tes modifs sur la voiture. Et je vous prendrai en photo. Mais c'est dommage, ils n'avaient pas du Hamilton. Si, après, ils avaient en petit format au 1,63. Ou un peu, un petit peu au-dessus, ils avaient des modèles. Ils avaient la Alfa Romeo, des trucs comme ça, mais c'était petit, quoi. 60 euros la 1/18e, franchement, ça va. Bon, la prochaine, c'est Max Verstappen au 1/24e avec ma collection, clairement. Allez, qualif. Bon, Nous Floxy, sommes n'oublie pas. Hein. samedi et qui dit samedi dit tout rapide sur le De circuit quoi ils se sont d'Interlagos. plantés? C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Sur le marquage? Il y a marqué Dutch GP 2023. Alpine F1 Team, la A523. Il n'y a pas eu de GP en Allemagne. Bon bah écoute, hein. Après, la monoplace est bonne. Bon, on va mettre tes réglages. On va mettre tes réglages pour le Brésil. J'ai besoin de toi. Il va falloir que tu me dises concernant les réglages. Attends, déjà, je vais regarder. Réglages du Brésil. Hop, j'y suis. Aérodynamique. Il va falloir que tu me mettes de l'appui à l'arrière. Ah, ça se trouve, tes réglages, ils n'ont pas assez d'appui. J'ai besoin d'appui. Je veux pas chasser du cul. Aile arrière aérodynamique, c'est bon. Transmission 65, 35, 60. Ensuite, on est à quoi? Transmission, géométrie de la suspension. Je ne le vois pas. Ah si, là, c'est moi. Moins 3,5, on est là. Moins 2,2, on est là. 0. Zéro virgule deux. Suspension ensuite, tu m'as mis 40. On va essayer de faire deux grands prix là.
4. Ensuite, t'as 18. 13. 26 et 60. Ok. Frein. On est d'accord, de toute façon, c'est du 100%. Équilibrage des freins. 53%. Et les pneus, tu m'as mis tout au max. Ajoute un peu d'appui arrière, mais il n'y a pas de changement de direction rapide comme à Mexico. Non, il n'y a pas de... Attends, tu vas me dire où c'est. C'est dans l'aérodynamique. Qu'il faut que j'aille. De l'aileron arrière, tu veux que je rajoute quoi? Tu m'avais dit rajouter un peu d'appui. Ok, un peu. On va se mettre à 30. Ça me paraît pas mal. Sauvegarder, on va voir. Là, je vais marquer Brésil. Ok, on va voir ce que ça donne. Hop, on est parti. Allez, prendre la piste, c'est bon. Sortie de stand. Et limite, enlever quelques petits d'appui pour compenser en Vmax. Ah merde. Non, mais je peux changer après normalement. Je vais revenir au stand de toute façon forcément après un chrono. Allez, c'est parti. Bon, le Grand Prix du Brésil, en fait, il est bien. J'aime bien le tracé. En plus, là, il va faire beau. Alors qu'on l'a fait sous la pluie pendant le sprint. Là, il faut qu'on finisse bien. C'est quoi après le Brésil déjà? Vegas, ok. Je ne connais pas du tout le tracé de Vegas. Hein. Mais il est con, Jeff. Ça marche. Allez, c'est parti. On se concentre. Faut faire un bon chrono pour bien se placer sur la grille. On arrive en fin de saison, là, il va pas falloir merder, là. On a eu un Grand Prix du Mexique qui a été catastrophique. On a fini 17e, bien derrière Hülkenberg. Ah putain, j'ai glissé. Faut pas que je glisse. Quinzième, je suis devant Hülkenberg, mais c'est pas bon.
Bon. On nous a relégué à la 15ème place. Ouais, mais on n'a pas fait quelque chose de bon. Je pourrais tellement mieux le prendre, le circuit là. On va aller modifier les réglages, hein. À faire ce que tu m'as dit. Ok, tu m'avais dit quoi? Pour le setup du Brésil. L'appui à l'arrière, ça a l'air d'aller. Attends, de toute façon, on va aller voir. On va aller modifier le réglage. Ah, au pire des cas, ça le fait déjà là. Hein. Tant que le cul commence pas à chasser. Je suis à combien dans les chronos? Leclerc, 1-8. Ricardo est dernier. Je suis à 1-9. Je suis pas loin de Gasly. 2-3 points d'aileron avant. Voilà. On va juste faire ça. Salut Fares, comment vas-tu? On repart sur le nouveau slick. Et bah écoutez, on va ressortir. Hein. Départ lancé. Allez, on va essayer de refaire un meilleur chrono, mieux se placer sur la grille. Bah écoute, ça va. On part sur un Grand Prix du Brésil. Allez, je me concentre, je vous lis après. Elle tourne très difficilement. Ah, je suis dans le rouge. Putain, j'arrive pas à passer dans le vert. Pas grand chose et je passe Gasly. Hein. Je regarde pas le chrono, je vois juste la couleur. Onzième. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Ok. Derrière Perez et Russell, devant Albon, Tsunoda. Ok. Ouais, dans le dernier virage. Ah ouais, c'est là, mais je peux tellement mieux les prendre, les autres virages, mais tellement. Déjà là où j'ai tout perdu, c'est le tout premier virage après la ligne droite, hein. Je l'ai pris tellement large. J'ai dû freiner un poil de cul trop tard.
Faut que je fasse gaffe parce que... Il y a des virages pour tourner, c'est voilà, c'est moyen, mais ça peut le faire. Les réglages sont plutôt bons. On nous a relégué à la 11e place. 11e, c'est pas mal, on passe en Q2. Hein. On va descendre, tu verras, je vais être 14e. Les mecs vont sortir, ils vont bourriner comme des oufs. Ok. On est P11. On n'a plus le temps. Verstappen premier. Mais Verstappen, il a plus rien à prouver. Verstappen, il est champion du monde pilote et constructeur. Hülkenberg, il passe même pas la Q2. Je suis 11e. Ah ouais. Bon bah, Q2 alors. Q2 les amis. On sera au pire des cas 15e sur la grille. Au pire. J'aimerais être au mieux 10e. Passer cette Q2 et la Q1, on va la Q3, on va la foirer. Ouais, je vais penser ce que je pensais. Un train usé pour le premier tour. Regarde, celui-là est moins usé. Regarde, on va faire un départ lancé. Je vais me concentrer pendant les chronos, donc je parlerai pas. Carlos Sainz devant nous. Deuxième, devant Sainz. J'ai fait 2-3 petites erreurs. Oui, tu rentres dans ce tour. Pas grand chose, hein. Et Sainz devant nous a vachement roulé dans l'herbe. Parce que j'ai vu des débris se faire envoler. Il a quoi le setup pour Vegas? Mais double-moi Verstappen! Les gars, en boutique, j'ai vu une statue de Verstappen. Champion. Alors, style artistique. C'est pas forcément beau de ouf. Plus de 200 balles. Zéro en appui arrière. Ouais, non, il me faut de l'appui. Il me faut de l'appui. Non, c'est mort.
Ouais, je vais en rajouter, bien sûr. Moi, il faut de l'appui. C'est clairement. Je pense que j'appuie trop vite sur l'accélérateur, j'accélère trop fort. Et du coup, si j'ai pas d'appui, bah, c'est un dragster, le bordel. Ça part dans tous les sens. Il faut que la voiture soit posée au sol à l'arrière. Bon, eh les gars, on a l'air de bien se placer pour la Q2, là. Deuxième, ça n'a pas resté longtemps, on est entre les deux féfés. Leclerc est premier. Imaginez Hamilton, il part chez Williams la saison prochaine dans ma carrière. On n'en sait rien. Ah, je suis cinquième, tu vois. Toujours devant Carlos Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Alonso. Bon, eux, Gasly, Albon, Tsunoda, Perez. Ouais. Eux, ils vont pas passer, c'est sûr. Oh les gars, je suis cinquième. Je suis cinquième. Cinquième. Waouh, bah il y a moyen qu'on se place. Et avec des pneus usés. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai deux trains neufs, normalement, pour la Q3. Vous savez quoi, on va la faire. On va la faire. Non, j'ai un train neuf. On va la faire simple, on va prendre ce train usé. Et on va tester. Tout de suite, départ. On va essayer de bien se placer. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Juste derrière le frérot Leclerc. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. J'ai fait des erreurs, hein. Je peux mieux faire. Je suis à 1.08.1990. Ouais, j'ai fait quelques petites erreurs. Meilleur secteur 3. Ok. Ouais, le secteur 3, c'est là où je suis le meilleur. Mais bon. On va mettre des nouvelles gommes, neuves. Là déjà j'ai freiné, j'aurais pas dû freiner. Là le frein moteur suffit. Celui-là je l'ai bien pris par rapport à la Q2. Mais le tout premier virage après la grande ligne, je l'ai pris trop large. Et j'ai freiné au virage que je t'ai dit tout à l'heure. Et là j'ai perdu du temps. Je peux faire mieux, hein, clairement. Donc on va rentrer, on va changer les gommes. On va attendre que les mecs se placent un peu dans les chronos. Et puis on ressort. Perez hein, derrière, 8e.
bon. Mais les gommes neuves. Je suis à... Ouais, je suis pas loin. Je suis pas loin derrière l'autre Leclerc. Hein. On va accélérer un peu le temps. Allez, départ lancé. On est dans les tout derniers passages. Donc... Au pire des cas, on est dixième. Hein. Mais je pense pas qu'on sera dixième avec le chrono qu'on a fait là. Allez, je me concentre. C'est pas compliqué le tracé du Brésil. J'avais souvenir qu'il était plus dur, mais non. On est premier, mec. On est premier. Alors là, c'est l'inverse. Les deux premiers secteurs sont dans le violet, le dernier dans le vert. On est premier, putain. On a la pole. Bien, rentre à la fin de ce tour. Merci, Floxy. Ah là, tu vois, là, ces réglages, je les aime bien. On a la pole position. C'est la deuxième fois qu'on l'a. Là maintenant, il va falloir utiliser les bonnes gommes. Est-ce que je commencerai pas en médium le Grand Prix? Je pense que les softs, non. Le clair, c'est comme ça. Oui, médium, ça se tente. Ouais, de ouf, on va commencer en médium. Hein. On va faire quoi? On va faire médium et ensuite on met des softs. Je pense que c'est pas mal. Après, je sais pas combien d'arrêts on va faire. Ouais, pole position, les gars, on a la pole. La pole au Brésil. Surtout que c'est long le Brésil. Après, on peut faire médium. Médium, médium, hard. Si on peut. Et on met pas de soft. On est premier. Alonso deuxième, hein, ce petit bâtard. Hein. Verstappen troisième. Leclerc quatrième. C'est bon ça, surtout après un. Je vous dis, un Grand Prix du Mexique qui a été catastrophique. Là, on a eu un bon sprint au Brésil. Et là, on a un très bon Grand Prix. Vraiment. 71 tours en effet. Ouais. On va juste regarder les pièces de moteur. Ouais, ça va le faire. Franchement, là, je casse la manette s'il y a une casse moteur encore.
Franchement, là, c'est pas le moment d'avoir une casse moteur. On doit ramener des points. Je dois améliorer ma notoriété, même si qu'elle est, elle est déjà pas mal, hein. Je suis au-dessus de Hülkenberg, alors que je viens de F2. Et on peut faire quelque chose de bon, si on a une bonne strat, on peut faire quelque chose de pas mal, là au Brésil. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légende de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. Quand même, hein. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km/h si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. Non, on a du soleil tout le long. On aura beau temps sur ce Grand Prix. On est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Arthur Leclerc part en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Norris. Ah mais Verstappen, Hamilton, il a pris des pénalités. Pérez, Russell, Stroll, Tsunoda, Verstappen. Ouais, pénalité. Joe, Gasly, Hülkenberg, Bottas. Hülkenberg 15e. Sargent, Ricciardo et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de... Après Verstappen, il s'en branle, hein. Il est champion du monde pilote et champion du monde constructeur. Il a plus rien à prouver. Hein. Une légende, que dire de plus, Monsieur Jacques Villeneuve. Sa dernière sortie n'a pas été couronnée de succès, c'était une course complètement ratée. La question est la suivante, un rebond est-il possible aujourd'hui Jacques? Bien sûr que c'est possible Julien, le passé c'est le passé. En tant que pilote, on me disait toujours qu'après être sorti de ma monoplace, je devais passer à autre chose. Surtout en cas de mauvais résultats. Qu'on a fait de la merde au Mexique, hein, vraiment. Vraiment, 17e. Et ne penser qu'à la course suivante. Ça a été le calvaire le Mexique. Allez, on va regarder notre strat. On est en médium. Premier arrêt, deuxième arrêt, on est en hard. On a que deux arrêts, médium, hard, ça le fait. Ou je rajoute un relais. Non, c'est bon. Je peux pousser un peu le médium de deux tours. Écoute, moi je suis tenté à garder la strat qu'il me propose. Hein. Enlève un tour en médium, ok. Allez, c'est parti. Ok, le tour de formation, je l'ai mis en cinématique. Comme ça, et ça passe parti. Plus vite. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Oh, elle est tellement belle la As. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la As, je la trouve sublime. Noire et blanche comme ça, là, avec une majorité de noir. Elle est vraiment très très belle. Les Alpines, je les trouve très belles. La Mercedes, elle est magnifique. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. La Aston Martin aussi, elle est belle. La Racing Bull, je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout. Ils ont fait bien mieux dans le passé. Je suis pas fan du tout de la McLaren, le orange. Je suis pas fan de la couleur orange. Et c'est pas une couleur que j'aime plus. Ferrari, je préférais la saison dernière que celle-ci. La rouge et noire était pour moi mieux que la rouge et blanche. Allez, c'est parti les amis. C'est parti pour 71 tours. On a déjà Alonso qui commence à attaquer.
Alonso qui revient très fort, ça va être très très dur. Enfin, bah après j'ai jamais été un fervent de chez McLaren, mais je trouve que la livrée de McLaren, après je suis le orange, c'est pas une couleur tu vois qui moi j'adore le rouge, et pourtant Ferrari tu vois c'est pas la Ferrari que je préfère. Celle de la saison dernière, j'ai trouvé la livrée, j'ai trouvé beaucoup plus belle. Non, la Haas, après c'est pas parce que je suis chez Haas là dans ma carrière, mais c'est vrai que blanc et noir comme ça, avec une majorité noire, je la trouve très très belle. Allez, on se concentre. On se concentre parce que je fais un peu de la merde dans mes virages. Le DRS va être activé là. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Leclerc est passé devant Alonso. La Kicksauber. Alors la Kicksauber est celle que j'avais oublié, celle-là, je l'aime pas du tout. Un vert comme ça, là, tout, je la trouve vraiment pas belle. Ça va être compliqué de garder la pole. Très compliqué avec une Ferrari qui est plus rapide que moi, une Aston Martin qui est plus rapide que moi. En fait, il y aurait eu un George Russell derrière moi ou Hamilton, j'aurais pu défendre. J'ai un moteur qui bataille avec les Mercedes maintenant. Mais les Ferrari sont beaucoup trop puissantes et l'Aston Martin, c'est pareil, surtout celle de Alonso. Regardez comment Charles Leclerc vient vite. J'ai le meilleur chrono, mais ça va pas être pour longtemps, croyez-moi. Ils ont tous choisi médium. Hein. Je préfère toujours me faire attaquer par l'extérieur et moi défendre de l'intérieur dans les virages. Pour ça, je le force à aller à l'extérieur. Il s'est fait doubler, Alonso repasse devant. Pareil, si le staff a du mal à m'enlever un pneu pendant l'arrêt, je pète mon crâne. Franchement, je suis abonné à ça. Surtout dans les Grands Prix qui sont décisifs, où les mecs mettent 4-5 secondes à enlever les roues parce que ça bloque. Ça peut aller vite quand même, hein. 71 tours au Brésil, c'est rapide. Hein. Non, je me souvenais plus de ton appli pour les pronos. Alonso, il a dû freiner à mort parce que je vois une McLaren devant lui. Piastri est passé devant lui. Je te jure, j'ai cherché. Je me souvenais plus. J'ai dit, putain, mais c'est quoi son truc de prono déjà? En fait, ça va être un grand prix où les meilleurs chronos vont se passer de... C'est F1 Play, ok. Vont se passer entre Leclerc. J'avais le meilleur chrono, maintenant c'est un autre Leclerc qui le prend, c'est Charles. On s'est mis d'accord pendant le grand prix qu'on allait se passer à tour de rôle les meilleurs chronos.
Moi, je kifferais vraiment un jeu de F1. Bon, après, ça serait long, mais en vrai mode carrière où tu commences karting, machin et tout, jusqu'à ce que tu puisses atteindre la F1, quoi. Ça serait long, mais ça serait tellement stylé. Pur jeu de F1, quoi. T'as des écuries qui viennent, qui te repèrent et tout. Ouais, au moins F3, mais ouais, karting, ça rajouterait du truc quand même. Bon, ça a touché. Ça a touché. Il a perdu des places, Leclerc, derrière Alonso Piastri. Alors, faut retenir, hein, j'ai 30 tours à faire comme ça en médium. Wow, Piastri, il est passé tellement fort. Il bloque sa roue. On repasse largement devant. Ça va être très dur de batailler avec eux. Hein. Très très dur. C'est tellement simple, je trouve, le tracé du Brésil. Les seuls endroits où je peux me faire doubler, c'est les deux endroits du DRS. C'est la ligne de départ et la grande ligne après droite où il y a un deuxième DRS. C'est les seuls endroits. Ailleurs, je risque pas grand chose. Vegas, c'est pas la même. Putain, tu... D'où l'intérêt qu'il va falloir que je réussisse le Brésil pour ne pas avoir de soucis à Vegas. Voilà, il va me doubler. Il faut pas que lui et Alonso me doublent. On est côte à côte avec Piastri. Et derrière, ça y est, il s'est remis derrière. C'est fini, je suis tranquille pendant quelques virages. Putain, mais j'ai encore le cul qui chasse. C'est moi qui dois mal jauger l'accélérateur, il va falloir que je fasse gaffe. Ça me touche à l'arrière. Hein. Des fois, j'ai la sensation que ça me touche. Ah, c'est pas le but. C'est pas le but.
Non mais je vais mieux gérer l'accélérateur. Non Alonso, non. Putain, non, 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 non. J'ai pas fait gaffe à Alonso, je faisais gaffe qu'à Piastri. Ah ouais, bah oui, mais non. Si je me mets dans le mur. Ouais, il est très con Piastri, il se colle à mon cul alors qu'il a v'là à la place. Et il se fait doubler par Alonso. Il a très mal géré. Hein. Vivement qu'il parte à la retraite, Alonso, moi je te le dis. Putain, arrivé à un moment, toi, Floxy, t'as tes saisons en F1, ça va ressembler à de la F2 en fait. Tu vas avoir tous les petits jeunes de la F2 qui vont arriver en F1. Jour où tu vois un Charles Leclerc prendre sa retraite, c'est inquiétant. C'est que t'as passé beaucoup trop de temps sur le jeu. Je les pousse à la faute derrière. Je veux les pousser à la faute, mais putain. Je prenne trop fort. Piastri prendre sa retraite est un tout. Ah, je glisse un peu. Je sens les pneus là qui fatiguent. Pourtant, pas tant que ça. Hein. Reste concentré, il faut être dans les meilleures dispositions. Ah, on est bien. Ouais, je vois Leclerc qui tente un dépassement sur Piastri. Leclerc qui est passé. On consomme un peu plus de carburant que prévu. Alors essaie de lever le pied pour en économiser. Mais il est marrant lui. Je défends sur des monstres. Depuis quand Aston Martin c'est aussi fort là? Non mais sérieux? Ah, Charles Leclerc en profite. Bah de ouf, de ouf. Ça touche, putain, je pouvais pas défendre plus que ça.
Ah ouais, mais non. Ah, il y en a. J'ai mis hors course Charles Leclerc, je crois. Je crois que je l'ai mis hors course, c'est pas bon. Non, non, par contre, reprends bien ton virage. Mais là, tu vois, les IA freinent. Pas moi. Bon, je l'ai pas touché. Je l'ai pas touché, mais je l'ai pas dépassé. Là, ça y est. Je crois que je l'ai mis hors course en plus. C'est pour ça, non, c'était mort. Je l'ai passé à la Max Verstappen, mais en mode début de carrière, quoi. Vas-y, je te pousse. Je te mets hors course. En fait, le RS, je me rends compte que... il fait pas grand-chose sur eux. Eh, écoute, je tente, hein. Avec les IA, ça peut passer. Tu vois, là, ils freinent. Moi, je freine pas. Donc, du coup, je vais plus vite qu'eux ici. Putain, c'est le retour d'Alonso. Fais chier. Une 08, je sais plus combien. Je sais plus, franchement, je sais plus. Vas-y. Ah, j'ai remis à 85, hein, je t'avoue, c'est pour ça que je suis en pôle. Hein. Hop, c'est Charles Leclerc qui repasse devant. Je vais être tranquille pendant là ce tour. Là, ils vont pas me dépasser. Ouah, il revient tellement vite, c'est une fusée spatiale le truc. C'est pas des moteurs, c'est des réacteurs qu'il a dans sa Ferrari.
tu peux récupérer ta position. Oui, je peux, oui. Tant qu'il me double au dernier moment, je peux. Il te dit quoi? Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se 103. Servir de ce surplus d'énergie. Ah ouais, non. Et niveau 103, je finis en fond de grille. Après, je sais plus combien j'ai fait, hein. Une 08, je sais plus combien. Ah ouais, j'allais dire une 08, 100 et quelques. Ouais, bah j'étais bon, là. 103, mais déjà niveau 90, je galère. 103. Jamais de la vie, je mets 103. C'est bien d'être devant, mais le fait de pas avoir de DRS, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Si j'avais un DRS là, ça changerait tout, mais... Parce que sans DRS, hein, il me remonte pas. Hein. Oh putain, j'ai glissé, j'ai fait une faute. Une énorme faute. Une énorme faute. Pas passé loin. Bon bah Leclerc, Piastri, Sainz. Wow, Alonso, il a dû avoir un gros problème. Stroll, tout le monde lui est passé devant. Tout le monde. En fait, Alonso, il est arrivé, il a dit oh bah je prends ma retraite. C'est barré, il a quitté le Grand Prix. Ok, Leclerc n'a pas du tout. Et si. Ouah, comment il remonte vite alors qu'il n'a pas le DRS.
Piastri vient de passer devant Leclerc. Ok, Alonso a fait une faute. Qui nous permet d'avoir un peu d'accalmie. Non, il remonte Alonso, il a dépassé son coéquipier. Stroll qui est hyper bien placé quoi, non mais sérieux. Je gagne du temps. Sainz est bien remonté aussi. Ouais, il y a dû avoir un gros cafouillage derrière. Parce que Sainz n'était pas du tout là. Il est passé devant Leclerc. Hülkenberg est déjà dans les stands. Il rentre très tôt. Il y a des rebonds quand même. Tu sens que ça cogne en dessous. La piste elle est pas plate. Leclerc repasse devant Sainz. Ok, Lando Norris, meilleur chrono. Je mets presque 3 secondes à Leclerc derrière.
C'est pas ce qui s'est passé pour créer une distance. Ça se trouve, Alonso, il a pilé, ça fait piler tout le monde. Bah écoutez, je préfère rouler seul en étant en tête que rouler seul en étant derrière. Clairement. On a encore au moins 10 tours avant de s'arrêter, hein. Si je fais pas d'erreur, il n'y a pas de raison qu'ils me rattrapent, les mecs. Et pourtant, si, hein. Et pour... Oh, waouh, waouh. Eh ouais, je regarde derrière. Tant s'il me rattrape, putain. Putain, mais vous mettez quoi dans votre moteur, les mecs? Oh là 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 là, l'enchaînement est horrible. Oh là là, le temps perdu, ils sont revenus à une 4, une 3. Non, moi je veux être tranquille encore un petit moment là.
Allez. Allez, 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 on y croit. 31ème tour. Ah, il ne suffit pas grand chose pour qu'ils me reviennent dessus. Hein. Pas simple, hein. Putain, ce vibreur, très attention, il le glisse de ouf. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. T'as rien que je demande des infos sur le pilote de derrière. Il va me dire qu'il a des gommes depuis 33 tours, ils n'ont pas fait d'arrêt. Est-ce que je m'arrête au stand comme c'était prévu? Ce qui serait royal, c'est que les mecs derrière s'arrêtent en même temps que moi. Ok, on reste sur la même stratégie. Quand il me dit d'arrêter, j'arrête. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Ils se sont toujours pas arrêtés, les mecs. Russell est monté, hein. Waouh, Leclerc a dû s'arrêter, les gars.
J'ai pas fait gaffe. Floxy regarde des fois le... J'avoue, je regarde pas, mais Leclerc s'est arrêté, il est plus là. Je vois des mecs qui étaient pas là. Je vois Perez, je vois Russell qui était pas derrière moi de base. Alonso a disparu. Ouais, donc Leclerc s'est arrêté, Alonso s'est arrêté. Piastri s'est arrêté, est-ce que Norris n'était pas là? Bon, il faut croiser les doigts que ces mecs-là, là, derrière moi, s'arrêtent en même temps que moi. Ouais, il y a moyen, ouais. Tu vas rentrer au stand, surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Bah, je pense aussi, en tout cas, je l'espère. S'il rentre, la strat, elle est très bonne. Il ne te reste plus qu'un arrêt. Ok, ça rentre. Sainz. Ok, tout le monde rentre aussi. Russell, Perez, tout le monde. Ah, les gars, vous merdez pas. Ouais, Norris au moins sur deux stops. Ils ont merdé encore. On sort juste devant Sainz. Ouais, Nitara, c'est bon, il y a toujours des problèmes avec les roues. On est 8e, 9e. Ça bloque pas mal les roues devant. Derrière Piastri et Leclerc. Et on retrouve Alonso. Je descends la roue devant. Allez, on se met en chrono. Le but est de dépasser tous ces gens. Alors Alonso, je pense que t'as pas compris. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Ah, j'ai perdu 2 secondes 5. C'est un arrêt quoi. Ça roule dans l'herbe, ça envoie des débris. Nico Hülkenberg est devant. Hein. Mais lui, il est sur une strat à deux arrêts. On a surtout roulé dans limite dans l'herbe. Mais écoutez, le travail est fait. On est derrière le frérot qui bah forcément va dépasser Bottas hein, sans trop de difficultés. Le leader virtuel c'est Charles. Ok. Qui est en train de dépasser tout le monde hein. Gasly et Bottas en très peu de temps. Très peu de temps. Ah ouais, ouais, mais c'est con. C'est con, ils freinent ici. Quelle bande de nazes. Ok, Hülkenberg 4e. Ah, Hülkenberg il va se faire manger, crois-moi. Mais t'es ingénieur en fait, Floxy, tu le sais pas encore, mais t'es ingénieur.
Hülkenberg, il se fait bouffer. Tu creuses l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Oh non, 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 on aurait pu faire. Il a en plus, il a bloqué ses roues, Leclerc. Là, il faut pas perdre Leclerc. Hein. Leclerc peut être celui qui nous emmène sur. Waouh, il y a vraiment des morceaux qui volent. Hein. Peut être vraiment celui qui nous emmène vers les premiers. Hein. Tu fais une soirée, t'invites Julien Febro qui regarde la rediff et qui commente. Oh non, 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 j'étais parti. Je l'ai doublé en glissade. Ouais, mais là, c'est pas bon. Je peux pas, j'ai merdé, là. Ouais, ma cible, c'est Charles Leclerc, ouais. En fait, il fallait juste passer comme ça. Et comme ça, je passe le Charles. C'était tout simple. De ouf. Après, je me dis, entre Julien, on peut avoir des compromis, tu vois. S'appelle Julien, je m'appelle Julien. Salut Vic. En fait, on se rend compte que la Formule 1 est envahie de Julien, entre Julien Febro, Hydro qui est un Julien, moi Julien. Et en fait, faut s'appeler Julien pour regarder la Formule 1. Bon allez, on va se concentrer parce que Tsunoda est à notre portée. Et on a le petit Charles là derrière qui va réattaquer. On est passé derrière, reste concentré. Ah, il fallait s'appeler Julien. Ça va être compliqué parce que la troisième position va se jouer avec Charles. Hein. Ouais, il y a moyen que ça se joue avec lui, ouais. Stroll et Tsunoda partent sur deux arrêts. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, eux, ils vont s'arrêter et nous, non, on s'arrête plus. On était sur une strat de un arrêt avec Charles. Ah putain. Je lis les messages, mais c'est tendax des fois.
Ils savent pas, non mais de ouf. Mais je te dis, c'est toujours quand c'est des grands prix ou qui sont décisifs que les mecs font de la merde et savent pas changer de roue. Bon, Tsunoda il est mort. Hein. Je déclare perdre une place de Tsunoda au bout de la ligne droite. Joli, à le voir, on croirait presque que c'est facile. Ok, on est troisième. Lando Norris est premier avec des softs. Allez, donc Lando Norris, il sera pas premier à la fin du Grand Prix parce qu'il part sur une strat à deux arrêts. Stroll, deuxième, deux arrêts. On a le podium à notre portée avec le frérot. Tsunoda va pas durer longtemps avec Charles. Si nous on la joue bien, les mecs vont rentrer à un moment ou l'autre faire un arrêt. Et là à ce moment on les double et on devient P1. Si Charles ne nous dépasse pas. Pour l'instant il se fait ralentir par Tsunoda, ce qui est très très bon. Là il va le dépasser ici. Voilà, je vous l'avais dit, Leclerc dépasse Tsunoda ici. Moi ça me laisse le temps de recharger le RS. Et voilà, Leclerc qui revient à moins d'une seconde sur moi. Dis-moi Floxy, après toi t'habites un peu plus loin. Tu connais le karting de Cormeilles-en-Vexin ? Je crois que c'est le plus grand d'Europe. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Quelle idée de faire des GP en 100%. Ben oui, c'est ça. Mais. J'aime bien parce que là la stratégie elle je trouve qu'elle a vraiment vraiment un sens en 100%. Et voilà, Hülkenberg rentre au stand. Waouh, on se fait doubler et péter l'aileron par Leclerc. Bah qui passe au stand Nico. Et on est premier en effet. Ils sont pas restés longtemps Lando Norris et Stroll. Il m'a poussé Leclerc. Hein. Là, le fait que Leclerc m'ait dépassé. Ah ouais, mais non, je peux pas accepter. Alors, ce vibreur-là, c'est le seul dangereux qui fait perdre l'adhérence. Bon, attendez les gars, je lis pas les messages, je me concentre. J'ai pas envie que le mec s'envole devant.
Ouais, putain, on est repassé devant. C'est chaud. Ah, ça va se batailler. À mon avis, jusqu'à la fin du Grand Prix, ça va se battre avec, avec Leclerc. Bataille des Leclerc, en fait. Hein. Désolé, hein, j'ai pas lu vos messages, j'étais concentré sur le fait de le rattraper. Parce que lui, si je le laisse partir, c'est fini. Notre coéquipier a fait les deux arrêts, mais pff, c'est pas ouf. Normalement, là, il n'y a plus aucun arrêt. Hein. Ça va rouler jusqu'à la fin. On a glissé là. Nos roues arrière ont roulé sur le vibreur et parti envoyer une McLaren qui arrive. Piastri, ouais, Piastri. Verstappen 5e. Hein. Verstappen qui a eu une pénalité, qui est parti en milieu de grille, je crois. Qui est 5e. Je rappelle que le mec, la fin du Mexique a été le trophée de champion du monde des pilotes. Et à la fin du sprint, là, du Brésil, champion du monde des constructeurs. Ouais, ça va, la stabilité des sens, ça va. C'est plutôt pas mal. Oh, Leclerc a eu un problème. Il a fait une grosse merde. Je sais pas si vous l'avez vu dans le rétro. Hein. Je l'ai vu. Hein. Il a fait un tout droit. Ouais. En tout cas, il a fait un tout droit. Il a laissé passer Piastri. Problème sur la voiture de Charles, en effet, on est en train de perdre Charles. Piastri remonte très très vite sur nous. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Je lui ai bien fermé la porte là, ça l'a ralenti. Ah ouais, il est en train de s'écrouler dans les chronos, Charles. Aïe, pour la Ferrari. Est-ce que c'est une perte du podium de Charles Leclerc? Aïe, il est en train de s'enfoncer dans le chrono. Piastri a des hards en meilleur état.
Ok, Piastri vient de me passer devant. J'ai voulu. Le problème, c'est que putain, prends-le à l'extérieur, tu freines pas. Enfin, tu freines. Je ne freine pas, moi. Ah ouais. Mais oui, mais ils freinent, les mecs. Tu vois, le problème, c'est que les IA freinent, alors que là, le frein moteur suffit. Ah ouais, non mais c'est bon. Vous freinez dans des virages où il n'y a pas besoin. Tu restes derrière. Je préfère me battre avec Charles Leclerc qu'avec lui. Tout à l'heure, c'est Verstappen qui va arriver dans 10 tours derrière nous. On va rien comprendre. Ah ouais, non mais ça pilote agressif là, attention. Si vous avez connu Max Verstappen au début de sa carrière, très agressif, à pousser les monoplaces, les mettre dans le décor et tout, bah là c'est la même. Regarde. Regarde, il reste collé à l'arrière de la monoplace. Ouais, plus que 20 tours. Ça va être compliqué, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. J'ai beau... être premier encore, mais je suis beaucoup moins puissant que les McLaren, Ferrari, Aston, Red Bull. Max en mode coucou, c'est moi. Bah de ouf, mais il l'a déjà fait, hein. Il y a un Grand Prix, je rappelle, il a commencé 20e parce qu'il a eu des pénalités. 20e, il a fini premier. Donc il est qu'à 2 secondes de Alonso, hein. À 2 secondes d'Alonso. Sachant que devant Alonso, c'est Leclerc qui a des problèmes sur sa monoplace. Donc le mec va forcément bouffer Alonso, clairement. Va bouffer ensuite Leclerc qui a des soucis. Et ensuite va monter tranquillement sur nous. Parce que l'IA, on n'a rien à foutre que le mec soit champion du monde constructeur et pilote. Si le gars doit finir premier jusqu'à la fin de la saison, il finira premier jusqu'à la fin. Putain, j'essaye de le gêner à mort, Piastri, mais je perds du temps. Ouais, c'est vrai, bon voilà, voilà. Bon bah alors l'IA est bien faite. Max en bat les couilles, même champion, il veut gagner. Ah, je suis pas sûr qu'il ait le DRS, Piastri. On repasse en intermédiaire pour récupérer de l'ERS. Ok, on a pris une petite distance sur Piastri, il a plus le DRS sur nous. On va être encore tranquille pendant un petit moment. Alonso a dépassé Leclerc. Leclerc est plus sur le podium, c'est officiel, quatrième. Verstappen juste derrière Leclerc.
Voilà. Oh, Lando Norris a doublé Verstappen. Mais non, bah Lando Norris il est en médium, alors est-ce qu'il va finir en médium, j'en sais rien. Seul mec qui a rien compris, tu sais, il s'est mis en médium. Bah Norris a dépassé Leclerc. Il s'est passé quoi avec Verstappen? Ça se trouve Verstappen il a eu un problème. On va voir Verstappen hors course. Piastri doit avoir des problèmes hein. Je lui mets 4 secondes dans la tête les gars. Et je roule pas mieux qu'avant. Bah alors voilà pourquoi que je lui mets. Bah oui bah c'est mort. Piastri ne reviendra pas sur nous les gars. Il a endommagé son aileron avant. C'est pour ça qu'il s'enfonce dans le chrono. Faut profiter de ce temps. Parce que c'est Alonso qui va revenir. Verstappen a doublé Leclerc. Waouh le pauvre. Leclerc il est en train de... J'aurais adoré finir sur le podium avec lui. Bah c'est pas cette fois hein. Et là, on voit abandon de Leclerc. C'est possible, hein. En fait, dans ma carrière, les féfés, en général, elles font de très bons chronos dans les qualifs. Elles se positionnent bien, voire très haut, voire elles récupèrent la pole position. Franchement, depuis la moitié de saison, c'est quasiment ça tout le temps. Par contre, dans les résultats, bah c'est pas ça. Voici l'écart avec notre coéquipier. Alors il y a eu des podiums de Charles Leclerc, hein. Il y en a eu quelques-uns, mais en général les Ferrari s'écroulent après. Hein. Alonso P2. Ouais bah oui, Piastri a des problèmes aussi. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Alonso est à 4 secondes de nous quasiment. Et là je vois Alonso hors course. Les gars là, on serait trop bien. À Piastri. Norris a dépassé Piastri. Ouais ouais, Lando Norris c'est pas trop un problème, il va s'arrêter. Il a encore un arrêt à faire, donc Norris, là le problème le plus urgent c'est Alonso.
Mick Schumacher n'est pas parti faire des courses en Porsche. Je crois qu'il a arrêté la Formule 1, le mec. Hein. Après son passage chez Haas. Quelques infos au sujet d'Alonso. Il rencontre un problème mécanique. Oh oui! Yes! Alonso a des problèmes mécaniques! Putain! Ok, il y a eu un drapeau, il y a un drapeau! Oh les gars, ça pue l'abandon. Ça pue l'abandon pour quelqu'un. Je le rappelle, Leclerc, Piastri, Alonso, ils ont tous des problèmes moteurs. Regardez, Alonso a disparu. Verstappen, troisième. Ok. Non, c'est pas ce que je pensais alors. Quelle fin de Grand Prix de fou. Verstappen, troisième. Lando Norris, deuxième. Norris avec des médiums, Stroll avec des médiums. Verstappen en hard. Donc Verstappen a pris la même strat que la mienne. Norris est pas loin. On voit Lando Norris dans le rétro. Hein. Lando Norris qui revient très très fort sur nous les amis. Très très fort. Ok, il a des gommes usées depuis 16 tours. J'ai l'impression que ça se couvre, les amis. Ils n'ont pas annoncé de pluie. Il me reste très très peu de tours les amis, mais je pense que ça va se batailler. Non, il va pas s'arrêter, non, c'est la fin. Ça va se batailler avec Lando Norris, les amis. Verstappen ne revient, mais je vous l'avais dit, Verstappen remonte très fort. Alors oui, il a profité, il y a eu trois problèmes moteurs sur des mecs haut placés. L'écart avec notre coéquipier est de 24,0 secondes. Le voilà Lando, le voilà. Il est dans le DRS. Salut Captain, bonjour à toi, on arrive à la fin du Grand Prix. Un Grand Prix où ça va se batailler pour la première place avec Lando Norris. Verstappen lui va en profiter pour remonter très fort sur nous. Tours, les médiums de Lando Norris, ils sont pas si usés que ça. Regardez Lando Norris qui revient très très fort. Heureusement que j'ai un peu le RS sur moi. Ça s'est touché. On s'approche de la fin du Grand Prix, mais il reste encore plein de tours qui peuvent être dangereux. Où ça va se batailler avec Lando Norris sûrement, avec Verstappen qui va revenir très fort. Il est à moins de 4 secondes de nous. Oh le fils de pute. Désolé. Il m'a niqué le fond plat aussi, je peux pas. Je veux bien qu'il se bataille, mais nique pas le fond plat. Je vais lui niquer son aileron comme celui de Piastri, tiens.
Lando Norris nous colle, nous colle. L'arrivée de Verstappen pourrait peut-être changer les choses avec les deux qui pourraient se battre derrière. Mais ça nous aidera quoi sur un virage? Pas beaucoup plus, hein. Ah non, merde, putain, j'ai regardé autre chose. Bon, allez, faut se concentrer. C'est pas beaucoup de RS. Enfin, trouver l'angle dans lequel va vouloir m'attaquer Piastri. Norris, je veux dire. C'est bon, c'est collé devant lui. C'est bon. C'est bon pour cette fois-ci. Maintenant, il y a cette ligne droite là qui est dangereuse. Il essaye de m'attaquer par l'extérieur, je le bloque. Ah ouais, non, mais il m'accroche aussi. Il m'accroche. Ah, tu vois que tu passes pas. Ok, on était quasiment roue contre roue. Là, je sais que les IA le freinent. Allez, on va essayer de ne pas faire d'erreur. C'est au moment où je dis ça que j'en fais une. Verstappen qui grappille un peu de temps. On est revenu très rapidement sur la grande ligne droite. J'enclenche le RS. Ça change pas énormément. J'ai oublié le problème, je l'ai pas activé. Ça se touche. J'essaie de pousser Lando Norris à la faute, mais c'est compliqué. Pendant ce temps-là, Verstappen est à 2 secondes 4. Je vous le dis, il reste largement 7 tours pour que Verstappen vienne. Et vienne mettre le bazar. Parce qu'il reste 6 tours. 6 tours, c'est égal à 6 fois la grande ligne d'arrivée là. Donc il y a 6 possibilités encore de dépassement pour eux. Ok, j'ai un peu de distance sur Lando Norris. J'enclenche le RS. C'est bon, ça a fait le taf. Allez, c'est reparti. Lando Norris qui passe par l'intérieur. Je doute par l'extérieur. On est roue contre roue. Je sais très bien qui va freiner là-bas, pas moi. Allez. On repart, on va réatteindre bientôt la grande ligne. On remet le RS. On a moins de distance avec lui que précédemment. J'ai plus de RS. Il revient très vite, il va essayer d'attaquer. Il attaque par l'intérieur. Je freine après. Je le pousse à freiner. Verstappen est à moins de 2 secondes de nous. La bataille de Lando Norris et de la mienne et de moi commence à
à faire bien revenir Verstappen. Une seconde 8 Verstappen, il arrive très très vite. On le voit derrière. On voit très très bien Verstappen arriver, attention. Attention, la prochaine à ligne droite ici, normalement Verstappen sera là. C'est bon, j'ai bloqué Lando Norris. Son dépassement, sa volonté de dépasser a échoué. On voit les deux dans le rétro. Ça se touche. Je rappelle, c'est rare, mais c'est le seul pour l'instant Grand Prix où il y a eu zéro abandon. Hein. Les 20 pilotes sont encore en ligne. Enfin, en course. Regardez, regardez Verstappen, regardez comment il est proche. Je vous l'avais dit, prochaine ligne droite, Verstappen, il va être là, il va attaquer. Il aura le DRS sur Norris. Il va être très dangereux pour ma part. Putain. Sérieux, Lando ? Bah regardez, Verstappen est vraiment derrière Lando Norris. Maintenant Lando Norris est lui aussi en danger de perdre sa deuxième place. Verstappen qui tombe par l'extérieur. Ah, l'enculé de sa mère. Tu peux pas défendre en fait. Le mec il te chope quoi. Putain, c'est la pire chose qui puisse. Voilà, voilà, je les bloque. Les deux sont obligés. Oh, ça se touche vénère. Eh bah tant pis, fond plat il est abîmé, tant pis. Putain, c'est Verstappen qui est passé les amis. Verstappen qui repasse encore. Le fond plat a subi des dégâts. Tu devrais commencer à... Bah ouais, il a subi des dégâts, mais j'y peux rien en même temps. Les autres, quand on s'attaque, il y a forcément des contacts. Verstappen est deuxième. Et maintenant, ça va finir le Grand Prix en se bataillant avec lui. On est roue contre roue, on est roue contre roue les amis, je le vois pas dans le rétro. Il est sur ma droite. Il est derrière. J'avais pas vu. Il reste que deux tours. Ces deux tours vont être très très décisifs. Ok, on a une petite distance sur Max.
Faire en sorte de recharger le RS. Ça vient très fort. Attention, cette ligne droite, ça va encore attaquer très fort. Voilà, on l'oblige à passer par l'extérieur, lui et Lando Norris. Max Verstappen perd sa place, Lando Norris repasse P2. C'est le tout dernier tour, les amis. Stroll est très vite revenu aussi, Stroll est derrière Verstappen. Allez, on met le RS, c'est parti. Lando Norris est très proche pour cette ligne d'arrivée finale. On est premier. Superbe course, vraiment superbe. Tu as bien mérité. Il était pas loin de me dépasser, Lando Norris. Hein. Pilote du jour, Lance Stroll. On a attendu un peu pour le dire, mais c'est fait. Arthur Leclerc remporte la victoire. Nous avons été témoins d'une domination sans partage. Donc ça fait Get Behind Dark. Merci Foxys. Bon, il y a eu des flashbacks. Hein. Bon. C'est un succès indiscutable. Mais le moment que j'ai préféré dans ce Grand Prix, c'est les doubles ou triples dépassements propres, entre guillemets, avec Verstappen à la fin là. J'ai vraiment kiffé cette petite bataille. Et on va certainement s'arracher leur pilote en fin de saison. Moi, je me demande quand est-ce qu'ils vont nous mettre aussi les trophées officiels de chaque Grand Prix. Eh bah putain, troisième podium. Japon, Singapour, Brésil. Ouais, la défense, on dira qu'on n'a rien vu. Ça marche, allez. C'est sur des IA, ça va. C'est des IA. On a le droit sur les IA. Hülkenberg, 13e. Mais voyons le bon côté des choses. Il reste encore quelques courses au championnat. Alors à très bientôt. Allez, on va regarder les temps forts. Je vais me muter. C'est parti.
Ok, bon, il y a eu une défense assez douteuse sur Lando Norris, sur la ligne droite, où on a vu que j'essaye de le stopper. Je suis dégoûté parce qu'il montre pas l'enchaînement des 3-4 doubles, où on se double l'un après l'autre avec Verstappen jusqu'à ce que je prenne vraiment les devants. Il le montre pas en entier, je trouve que c'est les moments forts, c'est mal fait en fait. Il devrait vraiment montrer les moments où ça se bataille vraiment. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. En tout cas, c'est le seul Grand Prix où les 20 pilotes ont fini la course. Le seul. Et pourtant, c'était mal parti pour Piastri. On a une rivalité en championnat avec Russell. Ok, ça vient de s'installer. Et Russell, on dirait pas Gollum avec ses yeux comme ça, là, dans le jeu. D'accord, donc ça, c'est une nouvelle rivalité, ça. Rappel de jamais te croiser sur une piste. Non, sur une piste, en vrai, quand je roule, je suis pas comme ça. On va faire quand même une petite pause avant de réattaquer Vegas. C'est l'occasion idéale. Ouais, on a Russell en rival. Pourquoi tu as ta place dans le paddock ? Ça tombe bien parce que c'est chez eux que je veux aller après. De t'avoir dans ma clientèle d'élite. Je plaisante. J'adore bosser avec toi. Ah ouais, il me talonne au classement du champion. Ouais. Ok. Je suis derrière Russell, mais c'est compliqué. Hein. La rivalité en championnat. Compare ton total de points au championnat des pilotes à celui de ton rival. Ah, ça va être compliqué. Tu vas avoir une certaine avance pour qu'on te déclare vainqueur. C'est ici que tu peux visualiser l'avance nécessaire pour l'emporter, ainsi que les récompenses mises en jeu. Hmm. Elle vient de s'enclencher, cette rivalité, donc... On est quand même à 78. Ok, on a monté un peu. Recherche et développement. Pas disponible. Ouais, il nous faut encore des points. Forcément, ça coûte de plus en plus cher. Bon, on va accélérer le temps, mais je vais pas faire le Grand Prix tout de suite, on va faire une pause. Hein. Salut, je suis ravi de t'annoncer que toutes nos nouvelles pièces ont été produites sans... On a quand même pas mal de nouveautés sur la voiture, hein, pour Las Vegas. Ok, 50 tours de nuit, pas de pluie, qualif, la pluie, que c'est que là. Bon, nous on va s'arrêter là, la rediffusion sera sur ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube, je vous envoie ça. On se retrouve un peu après pour le Grand Prix de Las Vegas, sur ce merci à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao tout le monde.